de loisirs et tout ça. Bonjour. Bonjour madame. On a réservé pour deux nuits. Une nuit avec Smart Force et l'autre. Merci. Donc, je vais vous faire patienter un petit peu, les chambres d'offre. Pas encore être prêtes. D'accord. Je vais vérifier. Mais... Je vais voir si vous le chambez. D'accord, merci. Dans des petites choses. Bonjour. C'est sympa ça. Hein? Ça, j'adore ces poupées là, franchement, ça je kiffe. Ouais, comment c'est fermé, il faut demander. Hein. Et pour le parking, tu vas demander aussi, peut-être parce qu'après il sera plein. On sait jamais. Oui, mais après, si on va un peu plus loin, c'est ça que je veux dire. Bon ben voilà, nous sommes arrivés dans notre pièce, on a une super clé, la chambre numéro 6, ça fait un peu flipper, mais bon, 6, donc 6. Alors là on entre, là vous avez la porte, là vous avez le miroir, un petit banc, tout est un peu dans le style un peu ancien, un peu vieux, mais bon, les oreillers sont là, tiens. Voilà, un grand lit, et... Enfin, la chambre, la pièce est un peu petite, mais ça va, quoi. Papier de pince d'école. Hein? Papier peint d'école. Où? Rien au niveau du lit. Oui, c'est un peu vieux, quoi, mais bon. On a des petits bonbons, c'est pour que on perd pas de poids, hein. Mais alors pas du tout, quoi. Voilà. Ouais, un petit rappel de quitter la chambre à 11h30. Après, on a ici un bureau, une télé. On pourra regarder le... Comment on appelle ça déjà, cette émission, là, ce soir? Fort Boyard. Fort Boyard, ouais. Elle est bien, ce bureau. Moi, j'aime beaucoup. Je vais fouiller. Alors, par contre, il vaut mieux peut-être pas ouvrir parce que ça s'ouvre difficilement. Voilà. Donc, l'hôtel s'appelle La Villa des Houx. Qu'on a choisi dans Smartbox. Et là, vous avez donc la salle de bain avec une baignoire. Noura. Je vais me faire un bain. Je vais me faire couler un bon bain. Voilà, les toilettes, tata. Bon, ça va, c'est sympa. Là, on a un truc, une éponge à chaussures. C'est quoi ça, j'ai jamais vu. Par contre, le ventilo est vraiment pas propre. Hein. T'as vu là, regarde, il y a plein de poussière. C'est les vieux trucs. Putain, c'est vraiment vieux. Hein. Éponge à chaussures. Ce qui pleut souvent chez eux. Oui, c'est ça. Bonnet de douche. Ça, j'en ai jamais vu. Ouais, de cheveux. Mais ça, c'est quoi ça? C'est un rasoir. Ah, c'est un.
Voilà, d'accord. Ça, il faut mettre. Ok. Bon, après, on a ici des gels douche. J'ai jamais vu des gels douche comme ça. Ouais, ben. Cheveux et corps. Et puis là, je suppose. Ah non, c'est du savon. Du savon, des gobelets. Bon, c'est un petit peu vieux, mais ça a l'air bien sympathique. Coucou! Donc, on va passer 2 jours ici. J'espère qu'on va apprécier. En tout cas, le cadre est pas mal. Je vais vous montrer un petit peu la vue de la fenêtre. Il n'est pas très dur. Hein? Il n'est pas très dur. Ah oui, le lit? Mais il butons de même. Voilà, donc bon, c'est assez vert. Bon, par contre, on a un terrain de foot en face. J'espère que ça va être calme. Voilà, à des prochaines vidéos. Ouais, tiens, s'il te plaît, je vais montrer aux gens ce que je mange. Super. Régime.
dernière, là, il y a 60 kilos, là. Ouais, 12, une douzaine. Là, il y a deux mois, il y a deux mois de plantes. C'est ça, on pouvait pas en prendre moins. Bonjour. On va faire laisser les petits déjeuners. Merci, c'est gentil. Ok, voilà. Merci. Là, tu veux ? Merci. Ah oui, ils sont là. Ça, c'est les nénuphars. J'adore. Mais ils ne fleurissent pas. C'est pas assez. Oui. Il y a même une petite rivière. C'est joli aussi, ce petit truc. Ah oui. Si on nous laisse aller, là. Je sais pas, c'est eux qui choisissent les tables, non ? Table ? Bah, l'emplacement, comment on a placé. Non, ça. Et là, on peut pas aller, là, ici ? Si, je pense. Tu penses ? T'es sûr ? Je pense pas, hein. Je pense qu'il faut faire le tour, c'est bien entretenu, quand même. C'est joli, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ah d'accord. Bah, d'ici, tu peux pas la fermer? Voilà. Ça fait vraiment un petit forêt. Non, mais le jardin est... On est très beau, le jardin. Oui. Contrairement aux chambres, malheureusement. Ah, j'ai vu une chambre tout à l'heure ouverte, elle était belle. Belle ? Ouais. Nous, on a une chambre pauvre. J'aime beaucoup là, le petit ponton. Pourquoi pont ? Il est tout petit. Ils ont quoi ? Ah oui, ça ressemble à des poires, hein. Ouais, c'est un peu envie. J'ai pas entendu. Des jolies roses. Ah, c'est joli ces fleurs. Hein. Franchement, c'est bon. Moi, j'adore ça. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Sol. Sol. Oui, c'est ça. Nous, on dit Iva. Toi, couche Iva.
Voilà les poires. Et là les pommes, c'est bon, hein. C'est bien vraiment, c'est bien. Et ils font peut-être avec ces fruits des desserts. La compote déjà, c'est ce que je voulais dire. Non, non, les desserts, je pense pas le compote. Mais... J'espère que c'est pas interdit de filmer. Oh, elles sont belles. T'as vu, regarde. Trop belles les pommes. C'est bon, hein? Ça donne envie de les croquer. Ouais, c'est dommage. Ça sent bon. Ça sent, hein. Ça sent trop bon, ça quand même, ça sent bon. Ça sent pas bon, la même pomme. On va la prendre. Tu veux la prendre? Oui. Parce que l'autre elle est un peu. Là aussi il y a des pommes. C'est bon. Hein. Très joli. Non mais franchement le cadre, laisse tomber, c'est très beau. Hein. C'est magnifique. On a eu la chambre pourrie, ouais. Mais en dehors de ça, l'hôtel, il est beau. Hein. Mais c'est dommage, tu vois, parce que moi, je voulais sa vie mauvaise, quoi. Parce que par rapport à notre chambre. Mais en fait, c'est, la terrasse, elle est petite, hein.